Jodia, c'est 17 avril. N'a fêté avec Saint Anicet et Saint Pantagatus. Les n'a gardé ou bien coûté fête la belle, c'est pour nous prêter attention. Rivez juste na fin vidéo. Prends note et puis abonnez. Parce que pas gain temps pour me voyer by chaque grain mon en particulier. Moi perdu temps chercher fouiller information yo. Li possible pour nous pas attendre information ça yo l'autre côté. Dis-moi si mati. Eh bien profitez. Donc Napta de tem sa yo, nou va réfléchir sou yo, jodi ya. Liber pontificalis, liber upsualis, neum, kirial, vepre et complin versus lod, mes votive, ordinaire de la messe, méthode solemne, etc. À nous rassembler pour nous fêter. À nous parler de Pape Anicet, Saint Aniceto, ou bien Pape Anicet. Il était pape et dans l'année 155 jusqu'à ce qu'il était mort le 17 avril 166. Alors, Pape Anicet était le 11e pape de l'Église catholique. Il était contre doctrine gnostique là. Ak masyonis la. Li pat vle pou pè yo gen cheve yo long, menm jan avèk masyonis yo. Li te louvri diskisyon avèk Saint Polycarp de Smyrna, ansyen disip de l'évangéliste Saint Jean. E men diskisyon te chita sou selebwasyon, sou dat selebwasyon fèt Pâk la. Il n'y a pas de jambes qui tombent d'accord. Mais nous connaissons le problème, ça résout dans le moment ça. D'après le document qui est le Liber Pontificalis, Anicet était un Syrien. Et d'après la tradition, Anicet est mort martyr sous l'empereur Lucius Verus. Même là, pas gain évidence sur ça. Il a considéré plusieurs dates pour fête là. Il a considéré 16 ou bien 17 ou bien 20 avril. Nous avons choisi 17 avril. Quand on a parlé de Saint Pantagatus de Vienne,
Parenthèse là, il était ouvert en 475 et parenthèse là, était fermé en 540 à l'âge de 65 ans. Il était fait dans l'année 475 de une famille prestigieuse. Il était un officier qui t'a servi, roi Clovig. Il était un savant et un gros diplomate. C'est à grande surprise qu'il était quitté Jobly pour devenir paix. Il était devenu évêque de Vienne en 536. Et il était mort en 540, comme nous t'ai dit, à l'âge de 65 ans. C'était histoire, biographie ou bien hagiographie de pape Anicet et de saint Pantagat. À nous réfléchir. On a parlé de Liber Pontificalis et Liber Ritualis. Liber Pontificalis. Liber Pontificalis, c'est le livre papio. C'est Régis, côté yo noté, donné chaque pape qui passait dans le Vatican. Depuis Saint-Pierre, qui se représentant Jésus-Christ sur la terre, d'après croyance l'Église là, juste arrivé dans Pape François, qui est dans le Vatican Kounia. Pape François, c'est Pape numéro 266. Ça veut dire, depuis Jésus-Christ fin monté dans le ciel, il y a 266 papes qui passaient dans le Vatican. Liber Pontificalis te gagné la donne, non pape là, dirait madale ak biographie li, non naissance li, non parale, côté li te fait, profession li, date ordination li, quelle gros réalisation li te fait, date li te mouri et qui côté li enterré. Même le livre ça te kon publié avec plusieurs interruptions pour ne pas parler d'irrégularité. Premier Liber Pontificalis là te publié jusqu'à 15e siècle. Il était campé à 867 et 891. Mais il était reprendre pour arriver en 1464 avec pape Pi de. Gen plizè moun yo panse ki te ote Liber Pontificalis la, Eusèbe de Césarée, ou bien yo panse se grefye trezor papal la, paske yo wè yo te kon itilize vestiarium nan. Vestiarium nan se achiv trezor papal la. Se kote yo gen tout rob, tout ustansil, pape la servi, yoreli vestiarium. Alors, nap note en passant, pape qui te dure moins, c'est pape Jean-Paul Ier. C'était 28 septembre 1978,
il te dirait seulement 33 jours. Pape qui te dirait plus, c'est Saint-Pierre. Il était commencé dans l'année 30 et il était arrivé dans l'année 64 ou 67. Ça veut dire qu'il a passé plus que 34 ans dans le Vatican. On a parlé de Liber Usualis. Liber Pontificalis, c'est le livre côté tout papier enregistré. Mais Liber Usualis, c'est un résumé, une série de règles Vatican mette pour tout le monde suivre, pour chanter litigio par département. C'est le livre qui a un texte officiel musique l'église là. Liber Usualis suivent une méthode qui relève méthode Solem. S-O-L-E-S-M-E-S. Texte, yon vini tout préparé sorti la congrégation des rites dans Vatican. Méthode Solem na, c'est théorie rite musical yon monsieur qui relait Mokewo te développé à partir de informations dont Joseph Gajar et madame Justine Bayard te communiqué et qui te fait comprendre rite c'est mouvement qui au lieu divisé les pito ini wote sacré les pitch en anglais, intensité ou bien volume, ak dire nan zafè mizik. Méthode solemn na, c'est yon méthode moine bénédictin nan abbaye Saint-Pierre de Solem en France te développé qui permet musicien yo interpréter parfaitement chant grégorien yo de yon façon uniforme pour litiger l'église là dans le monde entier. Platon définit rite comme l'ordre en mouvement. Saint Augustin définit rite comme science toute belle mouvement yo. Chanter c'est un instrument qui est capable de lever l'esprit nous à bon Dieu et qui est capable même de lever une nation. Notation musicale yo fait pour sept parties sa yo dans la messe là n'a cité yo rapidement Kyrial n'a pas ça Kyrial la veut dire avec cantus ad libitum ça veut dire chanter à volonté. Te fait tout pour la messe de dimanche et fête et ou bien vous vêpre nous on veut placer prière du soir et complaine dans toutes ces prières du soir. Donc, li fait tout pour ça le matin yo. C'est prière et bonheur le matin après minuit. Li fait tout pour Noël, Pâques et Pentecôte, Corpus Christi, l'Aude, nous connons l'Aude là. C'est prière qui fait après matin. Li fait pour litanie yo, nous connons qu'il est et yo resté litanie yo li fait pour office mercredi le sad tridium pascal et puis semaine sainte la net. Alors li fait pour messe votive yo, mais messe votive yo c'est messe qui gagne intention spéciale ou messe yo fait pour dans occasion spéciale et fait tout pour par exemple pour messe des morts. Kyrial la ki salteye,
Kyrialio, c'est une collection chant grégorien pour chant la messe qui pas changé yo. Yo relé yo Ordinary of the Mass. Ordinaire de la messe, on c'est des chants qui pas changé. Il y a 18 messes à Kyrie tankou. Il y a Kyrie, il y a Gloria, il y a Santos, il y a Agnus Dei, il y a 6 credo et plusieurs documents ad libitum, ça veut dire à volonté. En conclusion, hiérarchie l'église là veut pour chaque monde comprendre et participer activement dans la messe là, dans la liturgie et dans la musique sacrée qui sorti depuis sorti dans neums yo rivé dans notation musicale nous connaît et do ré mi fa sol la si do pour s'inscrire dans chant grégorien yo n'a expliqué qui ça crée les neums. Pour Saint Augustin, musique c'est pour monde qui remet, ça veut dire qui remet bon Dieu. Et chanter c'est prier des fois. Musique c'est un signe de joie na cœur nous. C'est ça le dit. Li ajouter musique liturgique yo doit gain au moins trois qualités principales. Ça veut dire musique là doit saint bien sacré, musique là doit véritable et musique là doit universel. Neums c'est note ou groupe de notes musique qui doit chanter na yon ou quelques syllabes seulement tant qu'on noue na Kyrie eleison ou bien na Sanctus, ça c'est des mots courts yo. Na liber ou soalis la, nous joignons toute précision sa yo. Si nous besoin adresse ou bien link ou bien que j'a pour nous joignons liber ou soalis la, qui gagne, c'est un document qui gagne 1851 pages, eh bien écrit nous na faitelabelleproduction@gmail.com. faitelabelleproduction@gmail.com. Moi espère nous te apprendre qui choy nouveau na vidéo ça. C'est comme ça nous te vle fete avec ou. Nous capable toujours vérifier information nous sot partager yo. Faites la belle, c'est un courtoisie de Gospel GPS Group qui offre plusieurs services tant que acoustique en créole, en français, en anglais ou en espagnol. Recherche app généalogique, traduction document ou bien livre. Pas oublier consigne, abonner, remer, partager et yon di lot. Toujours contacter Faites la belle. C'est yon belle ribambelle en bâtonnel pour faire tout capi belle. Écris-nous na email ça faitelabelleproduction@gmail.com. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6, verset 34. Priez, veillez, toujours songez, la vie pas facile, nous devons lutter jusqu'au bout. À demain, si bon Dieu voulait.